normal. J'efface ma sauvegarde, je dis oui. Et là, le timer commence. Et je comprends pas pourquoi il se suicide. Est-ce que c'est vraiment plus rapide que de faire ça? Bon, je devrais peut-être faire comme eux, mais voilà. Pour moi, ça a pas l'air plus rapide. Donc là, on fait les crabes. Parce que moi, je suis... J'ai besoin de la lanterne, je connais pas encore le passage dans le noir. Hop. On peut prendre le café et ensuite il faudra aller chercher dans le phare. Okay. Voilà, le café. Et donc là, en 22 secondes, on a dit c'était trop short. Go au phare. T'as peur du noir. Eh bien, l'écran n'est pas si simple que ça. Faudrait que je l'aie en fait sur le côté là. Comme ça, je sais. Il y en a deux des écrans dans le noir. Faudrait que je les mette sur le côté. Pour pouvoir tomber dessus à chaque fois. Donc évidemment ça fait perdre un peu de temps d'aller chercher la lampe, mais c'est pas bien méchant. Faut passer à droite de la maison, je pense. Gagner un peu de temps. Voilà, c'est cet écran là, si on n'a pas la lampe torche, on se fait un peu chier. Donc on a dit pas besoin de récupérer la vie. Tout le monde s'en fout. Et cette fois, faut pas que j'oublie d'aller... Faut pas que j'oublie d'aller dans la chambre d'hôtel. C'est le cul, lanceur d'épée. Ça te fait apprendre le run. Courage. Courage pour l'apprentissage. Le gant de jardinage. Toc. Je sais toujours pas à quoi il sert le gant de jardinage, mais ok. Ah oui, là faut descendre aussi. Zut. Pas bien méchant, mais c'est mieux. Mieux de descendre. On se met safe en prenant la maison. Et on full gauche. Et on monte. Alors peut-être que j'ai le temps d'aller à l'hôtel direct, hein. Mais c'est juste le con là qui fait glou 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 qui me perturbe. J'ai pas compris comment le débloquer plus vite. Ok, j'ai pris la chambre d'hôtel, c'est bon. Tout va bien. J'ai pas oublié cette fois. Comment il fait pour venir là? C'est quoi l'info? Ah voilà. D'accord. Faut juste pas le taper. Je vais pas dans le bon sens, je crois, mais c'est pas grave. J'ouvre les trucs. Ouah. On débloque le mec. Ok.
Non, c'est pas lui qu'il faut taper. Non, putain, je suis mort. Awati. Ok, c'est pas grave. Pas trop grave. L'autre qui me course là, je sais pas pourquoi. C'est bon, je vais parler. Faut bien le pousser, hein, sinon il est un peu relou. Super. Et donc les arbres, c'est pas la peine de tout taper, j'imagine. Juste les faire tomber comme ça. Voilà. Yes. Et du coup, j'ai les palmes. Hop. Je vais larguer les amarres. Soit. Tu vis ta vie, mon gars. Là, j'ai pas opti. J'ai pas opti la caisse. J'espère que ça va pas me coûter trop cher. Allez. Vingt secondes, ça semble trop chaud. Je vais juste voilà, débloquer ça et je me casse du coup. Ok, je fais un aller-retour de plus, mais tout à l'heure j'ai dû quand même le faire, sauf que j'ai perdu 20 secondes de plus. Puisque j'avais 20 secondes et que j'ai fait aller-retour pour rien. Donc. Là on peut du coup activer le truc tranquillement. Et j'avais aussi l'info que Moucheron m'a donnée involontairement, c'est-à-dire finir par l'autre interrupteur pour que le petit mec soit bien placé. Voilà. Je sais pas jusqu'où j'ai le temps d'aller là. Ça me semble un peu chaud. Non, c'est bon. J'ai bloqué le truc, je me suis suicidé. On est pas trop mal, là. L'arrosoir. Tududum. La méga épée. On arrive au boss. C'est bon. Le gant, c'est pour couper les arbres. D'accord, okay, c'était ça. J'ai pas l'info pour passer là, hein, tant pis. Non. Dommage. Pourtant pas trop dur cette phase normalement. Ah j'ai quand même, je prends quand même des coups, attention. On peut jouer un peu safe, hein, c'est pas plus mal. Non. Putain je l'ai raté. Tout va bien.
Ouh, 9 secondes, ça va être tendu. J'avais pas cette info là. Zut, j'avais pas pensé à ça. Ah mais il reste quand même que 2 épées. Donc ça va. Ça va, ça va. L'épée cassée, vite. Vite. Et non, et là ça tire la chasse, putain, mais je comprends rien. 9,44.